Bonjour mes délicieux papillons, petite vidéo pour notre défi de 365 jours, les papillons déploient leurs ailes. Alors, nous voilà en automne. L'automne est bien avancé cette fois. On voit les feuilles qui tombent des arbres. Dès qu'il y a un petit coup de vent ou quelque chose qui... Enfin voilà, oui, un petit coup de vent. On voit les feuilles tomber. Je trouvais ça magnifique et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo avec ces feuilles qui tombaient là-bas en arrière-plan. Mais bon, ils veulent pas pour une fois, ben voilà. Mais bon, vous allez sûrement les voir pendant ma petite papote avec vous. Voilà. Alors, ces feuilles qui tombent sont... Le reflet, non pas le reflet, sont ce que les arbres nous montrent pour nous faire comprendre que rien n'est perdu, que tout se renouvelle, que tout change et évolue, et que chaque saison apporte ce qu'elle a à apporter, tout simplement. L'arbre, on voit que il sort d'une petite graine qui grandit et qui grandit, non, en fait, qui tombe au sol, qui en apparence meurt et en finale vit et fait de magnifiques arbres après quelques années. Chaque année, à chaque saison, l'arbre fait ses feuilles, fait ses fruits qui tombent, qui déposent des grains, qui font pousser de nouveaux arbres. Les feuilles qui tombent à l'automne, qui laissent un arbre nu, en apparence mort. Certains sont même tout à fait morts parce que l'hiver, si on va leur gratter l'écorce, on s'aperçoit que le bois est mort en dessous. Enfin, en apparence, en tout cas, le bois est mort. Mais au printemps, il revit. La sève remonte, le renourrit et de nouvelles feuilles poussent. Donc, et de nouveaux fruits, et de nouvelles graines, et de nouveaux arbres. Et ainsi de suite à chaque saison. Et donc, ça nous montre que même là où il y a en apparence plus de vie, il peut y encore y en avoir. Et avoir de l'espoir, et que chaque saison apporte quelque chose de différent pour grandir et évoluer, parce que l'arbre grandit chaque année un peu plus, il fait des fruits qui font d'autres arbres, chaque année c'est pareil, et pourtant il est enraciné à la même place, à subir les intempéries, à subir le soleil, à subir le vent, la pluie, la foudre parfois, et l'homme aussi malheureusement. Là parfois il n'y survit pas, malheureusement également. Mais mis à part cela, on voit que ces arbres ont plein de leçons à nous donner. Et donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, prenez les leçons de la nature, de cette nature magnifique et riche, qui nous apporte plein de magnifiques choses. Regardez comme ces couleurs sont merveilleuses en cette saison.
On a plein de couleurs différentes, plein de... de cadeaux de la nature. Des feuilles aussi qui tombent, bien sûr. Mais voilà, je trouve ça magnifique. Et je trouve toute saison magnifique. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et profitez bien de la nature et de toutes ses merveilles.